Mais ça me fait chier parce que, tu sais, quand il y a eu la folie Pokémon Go, là, il y a 3-4 ans, que le monde se promenait partout comme des zombies, là, c'était fou, Ouais. ça. Là, tu sais, pour ceux qui se rappellent, c'était tellement malade que nous autres, on mettait du gaz, on remplissait le char de gaz, là, avec Adamo, tout ça, puis plein de chums. Puis Chris, on se splittait pour vrai dans la ville, là, puis on allait vraiment à des spots pour jouer à Pokémon Go. Tu sais, moi, je remplissais le Civic, le gros, là, j'étais dans mon Civic, puis j'étais comme, on n'est pas allé à Saint-Lambert. On n'est pas allé à Saint-Lambert. On va à Saint-Lambert. Gros, je suis que là-bas, sont malades. J'étais un Hey, adulte, là. J'étais un adulte, là. Tu sais, hey, c'était... je l'ai fait en vélo, moi. J'ai fait en vélo, Chris. Ouais. Compte pas tes pas en vélo, Carlis. Avec les deux, vous avez participé à ça. Ouais. Tabarnak, oui, man. Moi, j'ai joué un bout, puis là, après ça, j'ai arrêté parce que... C'est une drogue. Ouais, c'était. Non, mais c'est pas ça. Moi, j'étais mal parce qu'il y a un de mes chums qui a trouvé un moyen de hacker le shit. Là, c'était rendu que c'était ce style-là, il allait chercher des Pokémon en Chine. Là. Il était rendu en Chine avec la map de Pokémon Go. Fait que là, il était rendu dans le centre-ville de Tokyo à capturer des Pokémon en étant assis devant son ordi à Longueuil. J'étais comme fuck you, le gros. Alors nous autres, on court comme des malades, c'est-tu dans la ville. Fait que ça m'a tellement découragé, Big, là. J'ai tout crissé ça. Là, mais Maybe Watson du groupe À la claire ensemble, là. Il joue encore régulièrement. Il est allé à New York, je pense, il y a une couple de mois ou quoi de même, qui Attraper m'avait des dit. Pokémon. Oh, ouais, hey, mais Maybe Watson, il est intense là-dessus, là. Pour vrai, là, lui, il est fan fini de Pokémon Go, là, tu sais. Y a-tu des bons Pokémon ou Ouais, je pense que ouais, là, ben moi, j'ai pas suivi ça, mais il a l'air d'un gars calé en la matière, là. Il a l'air vraiment d'un professionnel chasseur Pokémon, là. À ce que j'ai compris, là. Lui, il est pas stické, c'est 150, là. Lui, il s'en va dans les autres, là. Les autres, Oh, non. ouais, non, pour Les vrai. autres qui ont l'air d'un gâteau, ça a plus l'air d'un Pokémon, Carlis. Ouais, c'est ça aussi, man. C'est qu'à un moment donné, les esti Pokémon, à un moment donné, c'est rendu que c'est une crème glacée, là. Il s'appelle Esti Pokémon en forme Ice de crème Cream On. glacée. Ouais, c'est ça, c'est rendu lettre, là. OK, à cause des nouveaux qui viennent de sortir, parce que ça continue à évoluer, genre. Ouais, puis là, ils savaient plus quoi faire. Fait que là, c'est rendu une télé 52 pouces, là, qui parle, c'est un Pokémon, là. Ah, ouais. Mais même. Dans notre temps, c'était quasiment ça, là. Tu sais, t'en avais un qui était hypno, puis Ouais. c'était comme un gros Christ avec son Ah. en gros spin-off, là. Oh, Alain, la style d'hypno, man! Là. OK, non, c'est pas celle-là que je parle, mais OK. Mais en tout cas, vous savez de qui je parle, qui était comme mauve, avec un gros rond, là, pis t'es comme... Ouais, je pense que c'est Mr. Mime. Tabarnak, vous m'avez allumé, les gars. Là, c'était bien hot le beer pong, mais là, les Pokémon. Pokémon, tabarnak. Ouais. Et c'est le podcast de Jurassic Pod. Ouais. Le nouveau podcast de Jurassic Pod. C'est quoi, le nouveau podcast de Jurassic Pod?